Oupla. Allez, on a un renvoi 10 mètres pour Mitchell. Mitchell, Corentin, Hund. Ross. Et c'est parti donc pour ce jeu du slalom. Alors, pour le 10 tours, c'est Greg qui est en tête, je dirais. Greg ou Pierre, je ne sais pas. Oh là là, il y a un piquet au sol pour Pierre, il y a un piquet au sol pour Greg aussi. Du coup, ça rentre pour Ryan. Ensuite, je pense que c'est Mitchell. Le retour de Pierre. Et le retour de Greg. Allez, ils sont partis pour ce jeu du bottle exchange. Oui, c'est bien posé pour Mitchell. Attention au demi-tour. Allez, on a tous les cavaliers alignés là, c'est pas mal. Et ça sera le retour gagnant pour Mitchell, celui de Pierre ou Pierre. Allez, c'est parti pour ce jeu du toolbox, premier jeu d'affaires de cette session. On va voir si ils sont bien réveillés. Toutes les boîtes sont bien posées, en tout cas, attention à la descente, c'est bien fait pour pas mal de cavaliers. C'est remonté. Allez, le premier demi-tour au niveau de la boîte, il est pour Pierre et pour la toque violette de Ryan. Alors, Ryan, Pierre ou Greg, c'est ces trois cavaliers qui font le trio peut-être pour l'instant. Allez, petit tour du côté de Pierre, c'est bon, c'est remonté. Du coup, c'est Greg qui est le premier arrivé au niveau de la boîte. Attention là-bas sur la ligne avec la toque bleue. Ça sera le retour de Ross, suivi par... Allez, c'est parti pour ce jeu de la pyramide. Allez, faut assurer une bonne base, ouais, c'est bien fait pour tout le monde. Toutes les boîtes sont bien sur les poubelles. Joli tour pour Mitchell. Mitchell qui est en tête pour l'instant. Mitchell in the lead. Very good, Greg, I think that it's Ryan. Ok, Mitchell still in the lead. Good job. Ok, plus qu'une boîte à poser entre Greg et Mitchell. Greg ou Mitchell, Greg ou Mitchell, je vous le dis. Mitchell, then we've got Greg. Oh, Mitchell, Pierre. Allez, c'est parti pour ce jeu des triple flag. Let's play triple flag race. C'est bien posé sur la ligne de Mitchell en blanc sur la première ligne. Il y a un deuxième drapeau qui est récupéré pour Pierre, pour Mitchell et pour la top orange de Corentin. Allez, allez, qui sera le plus rapide pour terminer ce jeu demi-tour pour Mitchell. Toute hésitation, mais c'est bon. Allez, attention, dernier posé entre Corentin, Pierre et Greg. Ce sera pour Pierre, Mitchell, Corentin, Greg. Allez, c'est parti pour le jeu des trois tables sur la première ligne. On a avec Corentin pour la France. Allez, attention, alors lui sur l'intérieur, c'est pas mal. Mitchell qui n'est pas mal du tout en tournant à l'extérieur. Allez, c'est posé. Une dernière tasse à récupérer. Voilà qui est fait. Ça rentre pour Mitchell. Le retour de Greg. Ensuite, on est parti pour ce jeu du Oupla. Est-ce qu'on peut avoir Myriam Bart à la tribune du jury? Myriam Bart, can you please come to the commentary box? Myriam Bart. Allez, on pose son deuxième anneau pour Greg, pour Mitchell et pour Pierre. Oh là là, on a un poney tout seul là-bas, c'est le poney de Ross. Allez, plus qu'un anneau à poser pour l'instant, on a Mitchell en tête. Oh là là, c'est posé pour Mitchell, mais c'est tombé pour Pierre. Allez, on va réparer son erreur, du coup ça rentre pour Greg. Allez, c'est parti pour le jeu du Bank Race. Alors... Et bien là, c'est pour Cédric qui va s'approcher, poser son premier numéro. Allez, ça a été fait super vite pour Cédric. Allez, deuxième numéro est posé pour Cédric, également pour Simon on the first lane. Ok, le dernier numéro, c'est Cédric qui l'a pris en premier. Cédric juste à côté de la toque orange de Greg. Ok, oh là 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 là, c'est sur le retour que ça joue, ce sera pour Cédric. Ensuite, nous avons Greg. Allez, Théo! Then we've got Simon pour ce jeu des chaussettes. Bien joué, Anouche, sur la première ligne. Une belle descente aussi pour Anouche. Là, c'est la victoire en concours à la toque verte de Anouche.
Attention Cédric qui est le premier à poser, mais enfin franchement ça se tient tout dans le bouchon de poche. Allez, deuxième descente, bien joué pour Cédric qui prend le leg, c'est bien fait pour Anouche, allez, allez Anouche, sur le posé. Oui, bien joué Anouche, victoire d'Anouche, suivi par, je sais pas si c'est ça. Allez c'est parti pour l'Hitter. Oh là là, très très belle piste pour Joshua. Oui, c'est fait pour la top blanche de Cédric, le Belge, qui est en tête pour l'instant. Cédric qui va récupérer son dernier litter. Oui, c'est fait pour Cédric, bon travail. Dernière pause, Cédric. Oh là là, c'est à côté pour Cédric, et du coup, c'est le retour de Joshua. Ah, Anouche, c'est à côté aussi. Allez, c'est à côté aussi pour Sarah. Allez, on répare son erreur. Du coup, ça rentre du côté de Greg. Allez, c'est parti pour le jeu du carton. Allez, on n'a pas de piquet couché là. Donc, le virage. Ouais, joli. Joli pour Joshua et pour Anouche. Allez, Théo, Joshua qui est peut-être un petit peu en tête devant le bandeau orange de Greg. Ok, Joshua, Anouche, Greg. Oh. The last picking up for the dernier de ce carton. I think that will be Joshua. For Joshua. Then you got. Oh, I'm quite sure. C'est parti pour le jeu des trois drapeaux. Allez, Théo. Ouais, c'est bien tourné pour Anouche. Qui a choisi de tourner devant. Vous pouvez aller un peu en tête avec Greg. Les autres sont rapidement revenus à hauteur. Alors la pause. Ouais, c'est fait pour Anouche et pour Cédric. Ainsi que pour Greg. Allez, deuxième drapeau est connecté. Pour l'instant, on a Anouche, Cédric et Greg qui sont un petit peu en tête sur le deuxième posé. Ce sera pour Greg. Greg, c'est Greg. Il va chercher son dernier drapeau. On a Joshua aussi qui est remonté. Anouche qui va chercher son dernier drapeau. Donc pour l'instant, c'est Greg. Greg et Greg. Oh, good job Joshua! Joli retour de Joshua, suivi d'Anouche. Allez, c'est posé pour Simon. Ça rentre pour Greg. Allez, on est descendu pour oh là, Anouche. Quelle rosta, cette Anouche! Bonjour Anouche! Attention, bien joué, go. Alors, Anouche ou Joshua, qui sera le plus rapide entre Anouche et Joshua? Eh ben, c'est Joshua! Le retour en petite d'or. Allez, Théo! C'est parti pour ce jeu du Battle Shuttle. Allez, Théo! On va aller vite. Il y a toutes les bouteilles sont posées. Allez, Théo! Retour. Joshua, il est rapide. Good start by Sadie, good start by Mitch over on the far side. Good start also by Greg. They're turning back up the arena. It's Mitch, it's Sadie and it's Greg. Everybody else is a little bit left behind at the moment and they're coming charging back. We've got Mitch on the far side, we've got Sadie on the near side, but coming through it is a blue, but it was a green. Cracking start there by Greg, Mitch and Sadie. Over on the far side, the blue of Jens. But coming up for the first time, it's Sadie, it's Mitch, Greg, Jens. It's these four. It's Sadie, Mitch, Jens in the line. Sadie goes charging back down the arena, Mitch chasing. Greg chasing Mitch over on the far side. Jens gets a cracking pickup, so they're going to come to the line. It's Sadie from Jens, and then it's Mitch, Greg. Goes down, it's not there for Mitch, good start by Greg, good start by Sadie. But it's on the floor for Sadie, it's on the floor for Jens. So, it's Mitch chasing Greg, or Greg chasing Mitch. It's going to be on the line, I'm not calling that one. There to go, it's a good start there by Greg. Over on the far side, Sadie going strong, Mitch going strong in the middle, Jens as well. It's these four, they go through the tyre. Who's going to get it? It's a cracking run there by Greg. So it's Greg charging back up the arena. It's going to be Greg from... Okay, recall, says the referee. Recall.
Il accomplit sa mission, la berceuse du soir et les bisous typiques devant la télévision. Le sport devient une religion, la sœur des joueurs de foot devient de l'eau bénite. That's a better start, so they're away. What a cracking run there by Jens. Fantastic pulling by Jens, so he's going to turn first. He's going to be chased down though by the red of Greg, the yellow of Sadie, but it's... Oh, Jens misses it! And away, with a good start over on the far side by Sadie Mick. And Jens, and Greg chasing them. We've also got the white chasing the Madden. But it's now Mick picking up from Sadie. Mick is picking up from Sadie. And now Greg and Jens, but it's Mick going to win. I do believe it's going to be Mick that takes this one from Sadie from... No way. Good start by Sadie, good start by Mitch. I'm going to look at phase 2 and 3, so it's going to be Sadie. 1, 2, 3, 4. Cracking run there by Sadie. Then in 3, it's Greg. Greg James for England. And then in purple for Ireland, it is Ian. Ian Hyland. Let's go for Carmen Adria. Connor, can you show the barrier, please? Oh, someone, merci. Allez, c'est parti pour ce premier jeu de la demi-finale, le jeu du slalom. Allez, Colin, sur la première ligne pour la France. On a aussi en orange François. Allez, c'est bien fait pour Peter, get the win, Jake. Allez, c'est parti pour ce jeu de deux passes. Voilà, je viens du côté de Colin et de son voisin Peter. Ok, le tour est pour tout le monde, pas d'erreur. Allez, Colin. Allez, c'est pas mal pour... Ah, il y a un contact sur Colin du plus, c'est le bord de Colin. Je suis juste devant Peter. Mathieu et Renaud, bien joué. Ensuite, on va le tour de Colin qui rentre pour le bord de garde de Colin. Allez, c'est parti pour le jeu du tour box. Salut François sur la première ligne pour la France. Bien joué pour le tourisé. C'est bien fait aussi pour Greg qui est pour la défendre au fond. Petite erreur sur la ligne de Jake O'Connor. Ok, c'est bien compté pour François. Excellente Charlotte. Allez, petit carnet de jeu à prendre pour François. François qui est remonté. C'est remonté aussi sur la ligne de Peter. Nicolas, oui, good job, bien joué François, retour de François, ensuite on a Peter, ensuite on a Yann, Colin, pardon. Can you remember your draw number, Sadie? 30. 7 and 30. So, okay, right. So 7 goes in. 7? Yeah. 7 goes, would be